Bonjour, c'est Sabine et Turi. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas enregistré d'histoire, alors aujourd'hui, on s'y met. On va vous raconter Turi et moi, n'est-ce pas Turi? Tu vas raconter l'histoire avec moi? D'abord, elle vous fait une petite démonstration. Voilà, c'est Turi. Non, elle va pas raconter l'histoire, elle. Elle va écouter l'histoire avec vous. Arrête, Touri. Allez, on écoute. Si elle veut bien me laisser vous la raconter, je vais vous raconter très, très fort. Très, très fort. Ils ne font rien de spécial, maman et petit homme. Non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. Ouh, c'est moi, dit une voix. Maman regarde la porte. Petit homme regarde maman, et qui voilà? C'est tante, tante Béa. Elle ouvre tout grand les bras, avec un grand, grand sourire, et elle s'écrie « Oh, le petit homme! Je veux le serrer dans mes bras! Je veux le serrer fort, très très fort !» Elle met petit homme sur son genou et chantonne « Opa, opa, au galop !» Puis, elle lui lit une histoire. Ils ne font rien de spécial. Maman et petit homme et tante Béa. Non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. Salut, c'est moi, dit une voix. Maman regarde la porte. Tante Béa regarde petit homme. Petit homme regarde maman. Et qui voilà? C'est l'oncle. L'oncle Tony. Il entre en levant les sourcils. Il fait sa bouche toute ronde et il s'écrie. Oh, le petit homme, je veux lui faire un gros bisou. Je veux le faire voler dans les airs. Je veux l'embrasser fort, très fort. Et il prend petit homme sur ses épaules. Que c'est haut, que ça tremble et il se penche en avant et ça glisse. Mais petit homme s'agrippe et tient bon. Ils ne font rien de spécial, maman et petit homme, tante Béa et l'oncle Tony. Non, rien de spécial. Quand tout à coup, ding dong, on sonne. Youhou, c'est moi, dit une voix. Youhou, c'est moi, dit une autre voix. Maman regarde la porte. L'oncle Tony regarde tante Béa. Tante Béa regarde petit homme. Petit homme regarde maman, et qui voilà? C'est mamie! Mamie et grand-ma, chacune a son sac à main et son parapluie au bras, et chacune s'écrie « Youhou! Bonjour! Oh le petit homme! Je veux le croquer! Je veux le manger! Je veux le dévorer! » Tout cru, tout cru, tout cru. Et elles l'embrassent fort, elles lui font de gros câlins, elles le font chanter, danser. Et petit homme se sent si bien après avoir fait tant le fou qu'il a presque envie de dormir. Zzz.
Ils ne font rien de spécial. Maman et petit Tom, tante Béa et l'oncle Tony, mamie et grand-ma. Non, rien de spécial. Quand tout à coup... Ding dong! On sonne. Et une voix dit... Pan pan, haut les mains! Maman regarde la porte. Mamie regarde grand-ma. Grand-ma regarde l'oncle Tony. L'oncle Tony regarde tante Béa. Tante Béa regarde petit Tom. Et qui voilà? C'est cousin Dan et ce bon gros cousin Pat. Cousin Dan fait tourner sa casquette sur un doigt. Et zouip, zouip, il galope sur un cheval invisible. Cataclope, cataclope. Et il s'écrie « Pan, pan, oh le petit Tom, je veux me bagarrer avec lui, je veux me battre avec lui fort, très très fort !» Et ils se battent tous les deux, ils se bagarrent fort, très fort. Cousin Dan boxe petit Tom répond d'un grand coup, cousin Dan lui donne une pichenette, petit Tom la lui rend une tape. Et ils rient tous deux comme ils rient. Ils rient à en perdre le souffle. La maison est pleine à craquer. Et chacun s'assied où il peut en attendant le prochain. Ding dong! Tout le monde attend, mais rien ne vient. Et maman dit « Quelqu'un veut quelque chose ?» Cousin Dan et petit Tom recommencent à se bagarrer. Mamie et grand-ma jouent aux cartes. L'oncle Tony n'arrête pas de tricher. Tante Béa met de la musique très fort. Et maman dit « Quel cirque !» Ils ne font rien de spécial. Maman et petit Tom, tante Béa et l'oncle Tony et grand-ma, cousin Dan et gros cousin Pat. Non, rien de spécial. Quand tout à coup... Ding dong! On sonne. C'est moi, dit une voix. Alors chacun se lève. Maman prend petit Tom dans ses bras. Tout le monde attend derrière la porte. Et tout le monde s'écrie à la fois. Surprise, surprise! Maman dit bon anniversaire, papa! Et tout le monde répète. Bon anniversaire! Alors, papa caresse de sa barbe la joue de petit Tom et maman apporte à table les bonnes choses qu'elle a préparées. Et c'est la fête à la maison. Mais quand tout le monde est bien fatigué, quand vient l'heure de se quitter, petit Tom voudrait jouer encore. Encore un peu, rien qu'un peu. Maman dit non. Et elle le met au lit. Mais dans son lit, petit Tom joue. Il saute et saute avec son ours. Et dans sa tête, il entend encore « Je veux le serrer fort, très très fort. Je veux l'embrasser fort, très très fort. Je veux le dévorer, tout cru, tout cru, tout cru. Je veux me battre avec lui fort, très très fort. » Et petit Tom sait bien pourquoi. C'est parce que tout le monde l'aime très très fort. Et moi, je vous embrasse très, très fort, même si c'est de loin, et même si pour l'instant on peut s'embrasser que de loin, je vous embrasse très, très, très fort. Mouah.